Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci à tous les jeunes participants d'être avec nous encore en ce vendredi matin. Je sais que c'est le dernier jour de la semaine virtuelle. On est là. Ça fait 5 jours que vous êtes avec nous et on est ravis d'avoir passé ce temps avec vous tous à vous présenter les métiers du numérique. Hier, vous avez vu avec Charlotte, on était en vadrouille dans le nord-ouest de Paris, dans une ferme de serveurs. On espère que vous avez aimé la visite. Parce que ce matin, on accueille un groupe de professionnels, non pas une, non pas deux, mais trois professionnels pros, du monde de l'application. Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses cette semaine, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'une chose centrale dans vos vies et dans nos vies à tous les jours, c'est les applis. Alors, on essaie qu'on allait finir par ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette application, en tout cas, je pense que vos parents doivent la connaître très certainement. Elle s'appelle Too Good To Go. Et je vais laisser donc Juliette, Sonia, enfin toute l'équipe d'ailleurs, parce que vous êtes nombreux côté Too Good To Go, nous présenter, vous présenter rapidement en 5 minutes et puis ensuite nous parler un peu de tout ça. Et je crois que vous avez un quiz qui est préparé pour démarrer en beauté l'activité. De Sonia qui a le pull gris avec le logo, vous voyez, on a le logo tout, on est très corporé comme on dit, et Charline en bas avec le chemisier. Donc c'est moi qui vais commencer par un petit quiz en effet pour tester un peu vos connaissances sur le gaspillage alimentaire, pour voir si c'est un sujet qui vous est familier. Donc Laurent, si tu peux lancer le quiz. Et je crois que la team modération va lancer le quiz dans le fil de discussion. Exactement. Donc on vous invite à y répondre. On va laisser donc Juliette poser la question. Elle devrait apparaître normalement dans le fil. Et dès qu'elle apparaît, foncez, répondez. Le chiffre nous intéresse. Alors, je peux y aller ? Ouais, tu peux y aller. Ok, alors est-ce que vous savez, chaque année dans le monde, le pourcentage, la part de nourriture produite qui est gaspillée ? Est-ce que c'est un cinquième ? Un quart ou un tiers de la nourriture produite qui est gaspillée dans le monde. Alors, c'est parti, le quiz a dû arriver de votre côté, collégien, collégienne, lycéen, lycéenne. Alors, on commence à avoir des réponses. Donc, pour l'instant, on a une majorité de un tiers. Ah, ça commence à se rebasculer. Alors, on l'a à l'écran, nous aussi, c'est bon. Hop, hop, hop. Ouais, pour l'instant, la majorité est sur un tiers. Mais alors, première petite question pour leur laisser le temps de répondre tranquillement. Pourquoi démarrer sur une question sur le gaspillage ? Alors, parce que vous allez le voir, je vais vous l'expliquer un peu après, mais Too Good To Go, c'est une application qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, c'est en réaction aux chiffres du gaspillage alimentaire dans le monde, Too Good To Go s'est créé. D'accord. Tout s'explique, ça fait sens. Voilà. Marche. Je pense qu'on peut considérer que les résultats sont clos. On peut considérer, donc du coup, on a 55% de réponses sur un tiers. Donc, chaque année, au 55%, parce que c'est effectivement la bonne réponse. Donc, vous avez vu, c'est énorme. Un tiers, c'est la nourriture produite finie à la poubelle, c'est une aberration. À la fois écologique, parce que le gaspillage a un impact sur l'environnement, économique, parce que ça coûte cher de produire de la nourriture, et éthique, parce que vous savez, il y a plein de gens dans le monde qui ne mangent pas à leur faim. Donc, c'est pas normal qu'un tiers de la nourriture produite soit gaspillée. Alors, ça, c'est la première question. Ensuite, j'ai une. Je peux te poser peut-être juste une question entre temps, Juliette, parce que c'est vrai que moi, ce chiffre me semble quand même énorme. Waouh ! Un tiers, quand on sait que la France, par exemple, est un énorme producteur de nourriture, très important dans le monde, ce tiers qui est gaspillé, est-ce qu'on a une idée, par exemple ? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, je ne le sais pas. Quelle est la part qui représente de la nourriture jetée vraiment à la fin que le consommateur ne mange pas ? Et quelle est la part de cette nourriture gaspillée qui est plus en amont dans la chaîne de production ? Alors, en effet, vous avez plusieurs étapes de la chaîne de production où il y a de la nourriture qui est gaspillée. Ça peut se faire au niveau de la production agricole, par exemple. Quand on a, je dis n'importe quoi, des pommes, si elles ne sont pas récoltées, elles finissent par pourrir, on ne les récolte pas, donc on les gaspille. Ça peut être au niveau du transport, quand de la production, on achemine jusqu'aux entrepôts, par exemple. Ça peut être au niveau de la distribution, donc dans les supermarchés, par exemple, si les pommes qui sont moches ou mal formées, ou mal calibrées, on va les écarter parce qu'elles ne répondent pas aux critères qui ont été fixés par la chaîne de grande distribution. Donc là encore, du gaspillage. Et enfin, ça peut en effet être, comme tu disais, Laurent, à la consommation. Donc, c'est-à-dire nous, particuliers, chez nous, on gaspille aussi, on met à la poubelle, soit chez nous, soit au restaurant. Bon, en ce moment, au restaurant, c'est un peu plus compliqué.
c'est sûr. En tout cas, en effet, on gaspille. Et la part qu'on gaspille, que les consommateurs gaspillent, c'est 33% de tout ce gaspillage alimentaire. C'est quand même énorme. Ah oui, en effet. C'est la part la plus importante du gaspillage. Elle est concentrée sur la phase de consommation, c'est-à-dire chez nous, dans nos maisons. D'accord, donc voilà. Ça prouve bien qu'on peut faire quelque chose là-dessus. Alors, je pense qu'on va demander à la Modée de lancer le deuxième quiz, la deuxième question. Le temps que tu la poses, elle devrait apparaître à l'écran de tout le monde. Alors, est-ce que vous savez le pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre que le gaspillage alimentaire produit ? Comme je vous l'ai dit, le gaspillage alimentaire a un impact écologique majeur. Il est responsable de gaz à effet de serre. Est-ce que vous savez à quelle hauteur ? Soit 1%, 8% ou 16%. Alors, juste pour approfondir à nouveau la question, c'est vrai qu'on profite, on leur laisse le temps de répondre et puis on donne quelques informations complémentaires. Cette production, cette émission de gaz à effet de serre, elle est liée à quoi ? Est-ce que c'est parce qu'on brûle les stocks ? C'est quand on les détruit ? C'est quand ils se décomposent ? Ou alors c'est leur production qui déclenche ça et qu'on... Elle est liée à pas mal de choses. Déjà, le fait que pour produire de la nourriture, on utilise beaucoup d'énergie. Donc des ressources de l'eau, de l'électricité, etc. On utilise le transport aussi pour produire de la nourriture, donc c'est aussi responsable de gaz à effet de serre. Et enfin, la nourriture est gaspillée, qu'on la consomme pas et qu'on doit traiter ses déchets alimentaires, ben, le traitement des déchets alimentaires rejette un gaz qu'on appelle le méthane. Donc tout ça contribue au gaz à effet de serre, à la fois sur toute la phase de production et à la fois sur la phase de déchets alimentaires. Des déchets, là, on a ces gaz à effet de serre. Eh bien, écoutez, je crois que là, le vote est clos. Donc, on a 73% des jeunes qui ont répondu que le gaspillage alimentaire est responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Dis donc, ils sont super forts. Vos jeunes, bravo! Énorme. Surtout quand on pense que pour tenir traiter les conventions internationales sur la réduction des émissions, les pays ont du mal aujourd'hui à le faire, et peut-être que si on gaspillait moins, 8% en moins, enfin 8 points en moins, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est clair. Ouais. Si déjà on arrive à réduire même de moitié le gaspillage alimentaire, vous voyez que l'impact est quand même énorme. Donc c'est un vrai sujet de société aujourd'hui, le gaspillage alimentaire. Tout à fait. Et donc j'imagine que ces deux questions sur le gaspillage, sur la question environnementale, on l'a dit juste avant, c'est une bonne introduction pour parler de Too Good To Go. Est-ce que c'est toi, Juliette, qui te lance dans une petite explication de l'application de l'entreprise ? Alors moi, en effet, je peux vous présenter un peu l'application, et si Sonia et Charline veulent ajouter des compléments, ce sera avec plaisir. Elles vont en tout cas vous présenter leur métier juste après, mais les filles, si vous voulez rebondir sur l'explication de l'application, n'hésitez pas. Mais je vais vous expliquer. Alors, je crois qu'il y a une slide juste après qui met une photo de l'appli. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez cette application. En gros, c'est assez simple, hein, Too Good To Go. Alors, en effet, cette application, elle s'est créée en 2016 en réaction aux chiffres que je vous ai présentés lors du quiz. Donc vraiment en réaction à se dire, mais c'est pas normal, il y a tellement de nourriture qui est gaspillée, il faut faire quelque chose. Et en tout cas, à notre échelle, on peut faire quelque chose. Donc l'idée est venue en 2016. Et l'idée, ça a été de créer une plateforme, une application qui permette de connecter en fait les commerçants, donc les supermarchés, les restaurants, les traiteurs, etc., tous les commerçants alimentaires, aux consommateurs, donc comme vous et moi. Donc l'idée, c'était de dire, bah, on sait que les commerçants ou même les boulangeries, les supermarchés, etc., on sait qu'ils n'arrivent pas à vendre toute leur nourriture à la fin de la journée. Il reste toujours du stock à la fin de la journée qu'ils sont obligés de, si on n'y avait pas, qui seraient obligés de jeter parce que c'est soit de la nourriture où la date de consommation est trop courte, donc en fait, ils n'ont plus le droit, enfin, ils veulent plus, enfin, c'est pas qu'ils n'ont plus le droit, mais ils veulent plus la mettre en rayon,
ou alors des légumes ou fruits qui sont légèrement abîmés, ils sont pas assez beaux pour être remplir la charte du magasin, donc pareil, ils les auraient jetés. Donc à la fin de la journée, c'est tout un stock de nourriture. Pareil pour dans les boulangeries, les croissants, les pains au chocolat, s'ils sont un petit peu secs ou s'ils datent de la veille, en général, ils sont pas remis le lendemain parce que les gens veulent avoir des viennoiseries fraîches, du pain frais, etc. Donc les boulangers, pareil, seraient obligés de jeter tous les jours. Donc nous, on s'est dit, on va créer une application qui connecte les commerçants avec les particuliers. Et en fait, l'idée, c'est que les commerçants mettent, dès qu'ils ont des invendus de fin de journée, ils mettent ce qu'on appelle des paniers surprises sur l'application. Donc pourquoi panier surprise? C'est l'idée de dire qu'en fait, ils vont jamais savoir vraiment qu'est-ce qui va leur rester en fin de journée. C'est impossible à évoluer. Et parfois, il va leur rester plein de baguettes de pain et pas beaucoup de croissants. Enfin, ça change tous les jours. Donc l'idée, le concept de panier surprise, c'est qu'ils puissent mettre vraiment tout ce qui leur reste dans des paniers. Et ensuite, les utilisateurs, donc vous et moi, on se connecte sur l'application et on va voir en fait, en fonction de notre lieu, de notre géolocalisation, tous les commerçants qui sont autour de nous et qui proposent des paniers surprises. Et ensuite, on va pouvoir réserver un panier surprise et choisir, se greffer sur l'heure de collecte qui est proposée. Donc ça, c'est les commerçants qui choisissent. Souvent, les boulangeries, c'est à la fin de la journée, l'heure de collecte. Et le consommateur va pouvoir aller récupérer son panier d'invendu. L'idée, c'est que c'est un panier à prix réduit parce qu'en fait, le panier va coûter va être à un tiers du prix initial. Donc, c'est vraiment une solution gagnant-gagnant parce que et le commerçant va aussi toucher une petite partie de bénéfice sur ce panier qui aura été acheté par le consommateur. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Parce que d'un côté, le consommateur, au lieu de jeter à la poubelle, il trouve une solution. En plus de trouver une solution, il perçoit quand même un petit… on lui reverse quand même un petit peu d'argent sur cette nourriture-là qu'il aurait jetée à la poubelle sinon. Et pour le consommateur, c'est aussi gagnant-gagnant parce que lui, il a accès à de la nourriture qui reste de qualité et parfaitement consommable, mais à un tiers du prix initial, donc économiquement… ou s'il a un petit budget, etc., c'est super intéressant. Et en même temps, il fait un geste pour la planète parce qu'il lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, c'est vraiment la rencontre de ces deux intérêts-là qui a fait le succès de l'application. Voilà comment ça marche. Merci beaucoup, Laurent, Juliette. Pour le coup, moi, j'aurais une première question qui va nous permettre d'introduire nos deux autres invités. C'est vrai que quand on imagine les applications… On a tendance à penser un peu naïvement que c'est créé, ça fonctionne, c'est magique, ça marche tout seul, c'est sur le téléphone, on s'en inquiète pas, le truc il fonctionne. Bon, non. On sait que c'est pas vrai, parce que nous aussi on a une application, une plateforme, on sait que si on n'est pas derrière, ça marche pas. Donc il y a forcément des gens qui travaillent aujourd'hui chez Too Good To Go pour faire vivre cette appli. Et donc je crois bien que c'est une bonne introduction pour nos deux nouvelles invitées. Parlez-nous un peu de vous, de présentez-vous et puis dites-nous ce que vous faites. Et surtout, Juliette, toi aussi, puisqu'on n'a pas introduit ton poste chez Too Good To Go. C'est vrai. Bon, alors du coup, oui, moi, je suis Juliette, j'ai 29 ans, bientôt 30 dans deux semaines. Grosse étape de vie. et moi, je suis chez Too Good To Go depuis un peu moins de 6 mois, donc c'est assez récent, mais j'ai eu l'occasion de faire pas mal de choses. Et moi, je m'occupe de l'éducation chez Too Good To Go. En fait, on fait de plus en plus de sensibilisation au gaspillage alimentaire auprès des écoles, donc de l'école primaire jusqu'à l'université. Et donc moi, je m'occupe de ce pôle-là. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis avec vous. Voilà. Super, merci. Et vous, du coup, Sonia et Charline? Oui, alors du coup, bonjour à tous. Donc moi, c'est Charline, effectivement. Donc j'ai 25 ans. Ça fait un an et demi que je travaille à Too Good To Go. Et je travaille du côté sales. Donc nous, c'est vrai qu'en Too Good To Go, on parle beaucoup en anglais, en franglais, on va dire même. Et du coup, donc je suis du côté sales, on peut dire côté commercial. Et moi, mon rôle, en fait, ça va être d'inscrire les commerces indépendants qui vont nous contacter. Parce que du coup, voilà, il y a des commerces qui, en fait… Heureusement, grâce au bouche à oreille, tout le monde commence à entendre parler de nous. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et donc, en fait, quand ils entendent parler de nous, ils se disent, tiens, je vais aller faire un tour sur le site Internet. Ils trouvent quelques infos et finalement, ils peuvent s'inscrire. Et au moment où on reçoit le formulaire, la demande d'inscription, tout simplement.
Et bien, du coup, moi, mon rôle, c'est de les rappeler, de leur expliquer et de faire un petit suivi. Mais je vais rentrer dans les détails un petit peu après. Peut sinon modifier un peu, changer notre fusil d'épaule, comme on dit. On passe à cette slide-là, tu nous parles un peu plus de ton métier, puis on passera ensuite. Et puis, vous allez, on va modifier, on va s'adapter au fur et à mesure des discours. Pas de souci, je laisserai la main à Sonia juste après cette petite slide, du coup. Si je simplifie, effectivement, mon rôle, c'est bien de répondre aux demandes des commerçants. En fait, c'est ce que je disais juste avant. L'idée, c'est de faire le point sur leur commerce, parce qu'effectivement, tous les commerces n'ont pas la même quantité d'invendus, pas forcément au même moment. Parfois, ça peut être simplement fin de semaine, ou alors ça peut être récurrent tous les jours. Donc, l'idée, voilà, c'est de faire le point avec eux et ensuite... de leur proposer la solution. Donc là, j'ai mis deux petites captures d'écran pour vous montrer un petit peu les outils qu'on utilise. Donc en haut, c'est notre partie de logiciel, on va dire, pour créer le compte. Donc en haut, on peut voir, il y a user au début, c'est pour l'identité du commerce. Après, il y a les détails, donc avec l'adresse, etc. Après, item, c'est le panier, en fait, qu'on va créer. On appelle ça un item. Donc avec les tarifs, la description... et les heures de collecte. Et ensuite, c'est plein de petites infos par rapport surtout, par exemple, pour le RIB, ces choses-là un petit peu moins fun, mais bon, voilà, tout ce qui est compta, etc. Et puis, c'est à partir de là qu'on peut mettre en ligne un commerce ou le désactiver, par exemple, si besoin. Et en dessous... Pardon ? Non, j'allais juste dire, si on résume, parce que on leur a déjà donné plein d'infos. Ouais. Too Good To Go, ça, c'est le pont, c'est la passerelle entre des commerçants et des consommateurs. Exactement. Il y en a qui ont trop et d'autres qui veulent acheter pour moins cher ou qui n'ont pas assez ou qui veulent diversifier. Et donc, ton rôle, si j'ai bien compris, c'est donc de t'occuper finalement du côté commerçant. Ouais. Et de déterminer, de les sensibiliser, j'imagine, puis de leur parler de Too Good To Go et ensuite de les convaincre d'aller sur la plateforme, d'aller sur l'application. Exact. Oui, c'est ça. On a donc la première question du collège Louise Weiss qui arrive, qui est super. Quelles sont les compétences et les qualités requises pour exercer ce métier ? Je m'attendais à ce que ça arrive, je ne pensais pas que ça allait arriver si tôt. Ah, ils sont tous très enthousiastes. C'est parfait. Je dirais que la première qualité, c'est d'être vraiment déjà engagé soi-même et d'avoir soi-même envie de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et d'avoir envie d'être engagé déjà de manière générale, d'avoir un impact positif. Et après, il faut avoir aussi le contact, c'est-à-dire qu'il faut aimer être en contact avec les gens. Parce que forcément, si on n'aime pas trop discuter, on est un petit peu timide, ça peut être un peu compliqué. Quoique ça s'apprend quand même. Si on a vraiment la volonté et qu'on est motivé, ça peut tout à fait fonctionner. Après, comme compétence, je dirais que il faut être autonome, forcément, parce qu'on va être seul au téléphone avec le client. Enfin, avec le partenaire, on appelle ça plutôt des partenaires. Et après, je dirais être organisé, être de bonne humeur tout le temps, parce que forcément, c'est au téléphone. Donc, il faut réussir à passer aussi la bonne humeur par téléphone. Ça change un petit peu de la visio. Et puis, après, je dirais qu'il n'y a pas forcément de compétences, de diplôme particulier. Parce qu'en fait, à partir du moment où on est vraiment motivé et qu'on prouve qu'on a les capacités pour le faire, il n'y a pas de diplôme particulier pour accéder à ce poste-là. D'accord. Ouais, moi, je vais avoir deux questions. Plutôt une confirmation et ensuite une question. Si j'ai bien compris, du coup, toi, ton travail, Charline, tu vas être vraiment en lien qu'avec les commerçants. Tu n'es pas en lien avec les consommateurs finaux. Donc, les gens qui réellement vont sur l'application et commandent leur panier. On est d'accord ? Oui, c'est bien ça. D'accord. Et du coup, ça va permettre de faire le pont avec deux questions des jeunes, un peu sur ce qu'on appelle donc le modèle économique, de comprendre un petit peu comment le business fonctionne chez Too Good To Go. Du coup, il y en a qui se demandent comment vous faites vos bénéfices. Donc, du coup, je veux bien que vous nous réexpliquiez un petit peu comment ça fonctionne pour que Too Good To Go, derrière, puisse avoir des bénéfices sur ces paniers. Oui, bien sûr, pas de souci. Comme disait Juliette tout à l'heure, en fait, les paniers, on les propose à un prix inférieur. Donc, je vais donner un exemple concret. Très souvent, on propose un panier qui a une valeur initiale de 12 euros. Mm-hmm. Ensuite, on le propose toujours au tiers du prix sur l'application, donc aux utilisateurs. Donc, ça veut dire que au lieu de 12 euros, l'utilisateur va payer 3,99 euros, on va dire 4 euros, on va en dire. Et sur ces 4 euros, le commerçant, il va toucher 2,90 euros.
parce que du coup, il y a 1 euro, pour être exact, 1,09 € qui reste chez Too Good To Go. Donc, c'est comme ça qu'on fait des bénéfices. Enfin, c'est le business model. Et une fois par an, il y a aussi 39 euros de frais administratifs. Mais en fait, les frais vont être déduits de la vente des paniers. Donc, ça veut dire que pour le commerçant, lui, il n'a rien à sortir de sa poche. Et en fait, c'est vraiment au moment où nous, on lui fait des virements, que sur ce virement, on va retirer la commission par panier et les frais annuels. D'accord. On va peut-être introduire Sonia pour... Oui, pour pouvoir faire le lien, pour qu'on ait aussi ton point de vue. Aussi sur. Ouais. Petite devinette, j'imagine, on a parlé des commerçants, on a parlé de l'amont. Il reste donc l'autre pôle dont on n'a pas parlé, c'est les clients. J'imagine que c'est bien fait de votre côté aussi, donc je crois que c'est plutôt dans ce domaine-là que tu travailles. Exactement, bah, bonjour à tous. C'était pas très compliqué à deviner quand même. Non, mais effectivement, du coup, moi, je suis plutôt de l'autre côté, donc de la partie utilisateur. On appelle ça, nous, des utilisateurs plus que des clients. Et du coup, nous, on a un contact, quand je dis nous, c'est donc notre équipe, qu'on est plusieurs, on a un contact par email exclusivement. Donc, en fait, l'utilisateur, il peut nous contacter via l'application que vous voyez en bas à gauche. Mm-hmm. Voilà, ça se présente un peu comme sur toutes les applications. Vous avez une sorte de petite FAQ et après, via laquelle donc, vous pouvez contacter notre équipe. Et du coup, nous, ça arrive dans un espèce de logiciel qui ressemble plus ou moins à une boîte mail, sauf que du coup, on va avoir des catégories en fonction du problème ou de la question de l'utilisateur pour pouvoir, ça nous aide notamment à définir certaines priorités parce qu'on va avoir des cas où on va vouloir répondre à des utilisateurs peut-être plus rapidement que dans d'autres cas qui peuvent un petit peu plus attendre. Donc voilà, et l'idée c'est de répondre bien sûr à tout le monde et donc on nous contacte des fois avant l'achat, des fois après l'achat et donc il y a une multitude de questions possibles et imaginables et ce qu'on essaie de faire au maximum c'est toujours de rajouter une pointe de sensibilisation au gaspillage alimentaire et d'une manière plus générale à l'écologie dès qu'on peut, dès que la question, le titillement de la personne peut s'y raccrocher. Quoi. D'accord. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, vos deux métiers sont complètement complémentaires puisque sans utilisateurs de la plateforme, donc clients qui vont... Enfin, pas client du coup, puisque tu disais que tu n'employais pas ce mot, mais plutôt utilisateur. Donc, les gens, par exemple, comme Laurent et moi, qui allons du coup commander un panier, bah, sans ces personnes-là, toi, Charline, bah, y aurait pas de personne n'achèterait les paniers que toi, tu essayes de récupérer par les entreprises, et inversement. Donc, c'est complètement complémentaire. Donc, c'est intéressant. Et j'ai quand même une question, là, du coup, de Sanjivan, qui se demande s'il y a des sponsors de l'application en plus. Alors non, on n'a pas vraiment de sponsors, mais par contre, on a disons des personnalités qui nous soutiennent et donc qui peuvent un peu parler de nous. Mm-hmm. Les filles, aidez-moi parce que là, je me souviens plus de nom, mais il y en a. Non, ça ne me vient pas non plus. Non, mais oui, on a en effet des personnalités qui nous soutiennent. Par exemple, on travaille beaucoup... avec Instagram, donc on a des personnalités engagées dans l'écologie qui nous soutiennent souvent, qui relaient nos posts, etc. Donc par exemple, alors je ne sais pas si vous la connaissez, on travaille beaucoup avec elle, la comédienne Lucie Lucas qui jouait dans Clem, c'était une série qui passait, qui passe d'ailleurs toujours, je ne sais même plus, mais en fait elle est hyper engagée dans l'écologie et elle nous soutient beaucoup, donc elle relaie beaucoup nos posts. On a aussi, alors là, on travaille avec Jamy de C'est pas sorcier. Alors, mm-hmm. C'est peut-être un peu vieux pour vous, je sais mais pas. Ça nous parle. Point... Ah, ça nous parle. Non, vous, ça vous parle, mais pour les collégiens, je sais pas à quel point vous avez connu les C'est pas sorcier, etc. Voilà, mais en tout cas, avec Jamy, on fait des choses aussi. Là, on est en train de. On va faire une petite émission, Le monde de Jamy, autour du gaspillage alimentaire.
Donc voilà, on a quand même pas mal de personnalités engagées qui nous suivent. On avait fait un petit partenariat avec le gagnant de Top Chef de la saison précédente, David Gallienne, qui est aussi engagé sur des sujets d'alimentation durable et d'écologie, avec qui on avait fait des petites recettes anti-gaspi. Pas de sponsors, comme disait Sonia, mais des personnalités qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont le même engagement écologique, qui nous soutiennent et qui nous relaient. Voilà. D'accord. Alors, énormément de questions qui arrivent. Ouais. Je vais en poser plusieurs d'un coup. Vous allez voir, elles sont rapides. Et complémentaires. Bon, quelques questions chiffres d'abord. Combien d'utilisateurs avez-vous et combien de personnes travaillent chez Too Good To Go? Deux petites questions rapides. Ouais. Alors, en France, on a 8 millions d'utilisateurs. Dans le monde, il me semble que c'est 33 millions, puisqu'en fait, on est présent dans 14 pays d'Europe maintenant. Et on vient de se lancer, ça fait quelques mois, de se lancer aux États-Unis et bientôt Canada. Donc, tout ça combiné, c'est 33 millions d'utilisateurs et 8 millions en France. Donc, la France est vraiment le plus gros pays de Too Good To Go. Et ensuite, c'était quoi l'autre question? Combien de personnes travaillent chez vous? Collaborateurs. Alors, en France, on est maintenant 100. Hein. Ouais, on est 100, je crois, maintenant en France. Ou en tout cas, on y est bientôt. On a beaucoup de recrutements. On recrute tout le temps, donc on n'a pas le chiffre exact au jour. J'aime bien les oreilles, les jeunes, ça recrute chez Too Good To Go. Ça recrute. Ouais. C'est toujours intéressant comme info. Voilà. Donc, on n'est pas loin de 100. Et dans le monde, on est autour de 700, je dirais. Il me semble que c'est ça, 700, 800. Voilà. Alors, une autre petite question de plus de fond cette fois. De Jean-Christophe qui se dit « Je suis mineur, mais il faut payer en ligne avec l'appli. » Donc, c'est compliqué pour eux parce qu'ils ont plus souvent du cash. Est-ce qu'il faut nécessairement un moyen de paiement numérique pour pouvoir s'inscrire sur Too Good To Go? Sonia, tu vas peut-être savoir répondre mieux que moi sur cet aspect-là. Je ne sais pas si tu l'as déjà eu. effectivement, c'est une des questions qui arrive de temps en temps. De temps en temps chez nous. Et effectivement, en fait, il faut absolument avoir un moyen de paiement numérique. Donc, ce n'est pas forcément une carte bleue, ça peut être PayPal aussi. Donc, un compte PayPal qui n'est pas nécessairement alimenté via une carte bleue. Donc, ça peut être un peu la balance nécessaire. Mais en fait, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que ça va assurer finalement aux commerçants qu'il sera bien payé et que la personne va se déplacer, parce que le problème de payer en cash, forcément, le commerçant, il n'est pas sûr que la personne va effectivement venir, donc c'est un peu là-dessus que c'est… Ça fonctionne comme une résa, c'est une réservation en quelque sorte pour le commerçant. Voilà, ça d'ailleurs, exactement. C'est le bouton, c'est pas acheter, si je ne m'abuse, c'est bien réserver son panier. Exactement. Je connais l'application par cœur. De l'application. D'ailleurs, nous, on a un terme, on ne dit jamais vendre des paniers, on dit sauver des paniers. C'est hyper important pour nous, dans notre manière de voir les choses et de parler, et même la manière dont on s'adresse aux utilisateurs et aux commerçants, c'est on dit on a sauvé des paniers, parce que pour nous, on les sauve de la poubelle, en fait. On fait vraiment une action de sauver cette nourriture qui aurait dû être jetée. Donc voilà, on parle exclusivement de sauver et pas de vendre. C'est ça, il n'y a pas de création de nourriture, c'est vraiment récupérer ce qui allait disparaître, quoi. Alors, on va peut-être passer, On le dit souvent, c'est très court comme format, on est déjà plus de la moitié, et en fait, les questions continuent d'arriver. Question habituelle chez nous, finalement, à quoi ressemble une journée type dans vos deux cas de figure chez Too Good To Go? Super. Du coup, je vais reprendre la main, Sonia, si ça ne te dérange pas. De toute façon, je vais essayer d'être assez concise. Globalement, une journée, c'est le matin, en fait, on va arriver et on appelle nettoyer les demandes qui arrivent. Donc, on appelle ça, je crois que j'ai dû écrire lead. Donc, pour nous, des leads, c'est des nouvelles demandes. Et on va les transformer en opportunités. Donc, le fait de les passer en opportunités, ça veut dire qu'on a bien validé que c'était des commerces qui étaient ouverts et qui vendaient bien de l'alimentaire, parce que parfois, on a des coiffeurs aussi qui nous contactent. Et les coiffeurs, on ne peut pas les aider. et parfois, c'est aussi des utilisateurs qui se trompent sur le site Internet et qui remplissent un formulaire. Et en fait, on peut très facilement le voir avec Google Maps. Et donc, dans ce cas-là, on les prévient, bien sûr. Et puis, on fait le petit nettoyage, on va dire. Donc, du coup, voilà, le matin, c'est surtout ça. Ensuite, je vais passer quelques appels. Petite parenthèse, je te coupe. Je viens de me rendre compte que j'ai laissé passer quelque chose que j'aurais dû mettre en italique.
Alors, les jeunes, il y a bien écrit sales et pas les salles. Voilà, ça ne veut pas dire la même chose. C'est de l'anglais, sales sont bien les ventes. Non, mais je précise parce qu'on ne sait jamais. Ça fait. Non, c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est bien fait de le préciser parce que nous, on a tellement l'habitude de le voir qu'on fait, on fait même plus attention. Donc, effectivement, on va le répartir aussi entre nous. Donc, voilà, nous, c'est une équipe de sales, donc de commerciaux. Et en fait, effectivement, comme on est plusieurs, forcément, on va se répartir le travail, tout simplement. Ensuite, on fait souvent une réunion d'équipe, pas nécessairement tous les jours, mais au moins une fois par semaine pour faire un petit peu le point. Parce qu'on fait aussi des projets à côté avec d'autres équipes. Donc, comme ça, ça nous permet d'informer notre équipe. Ensuite, on fait une petite pause quand même. C'est plutôt bien. Et on ne gaspille pas ce qu'on mange le midi. On finit dans son assiette. Et puis après, l'après-midi, généralement, ça va être soit des rendez-vous que j'ai fixés avec des partenaires. Ou alors, voilà, simplement, je vais essayer de les appeler. Et sinon, ça peut être parfois, on fait des formations aussi. Parce que bah voilà, c'est pas parce qu'on est ici qu'on n'a plus rien à apprendre. Au contraire, on a toujours plein de choses à apprendre sur plein de sujets. Donc, on essaye de se former toujours plus. Et puis, sinon, je vais travailler parfois sur des projets un petit peu à côté, comme je disais tout à l'heure. Je vais juste répondre à quelque chose qui est passé sur le Slack. Alors, mes yeux ne sont pas si bons, donc je vois juste le nom du collège, Notre-Dame de Sion. C'est quoi des leads déjà? Des leads, c'est donc des pistes. En fait, c'est ça. Pour nous, des leads, c'est des nouvelles demandes. On peut appeler ça des nouvelles demandes, mais en fait, à ce stade-là, on ne sait pas encore si c'est bien des commerçants ou si c'est des utilisateurs, par exemple, qui se sont trompés. Voilà. C'est des commerçants qui viennent spontanément, en fait, les leads. Enfin, ils viennent remplir le formulaire. Sur le site Internet, il y a un formulaire qui dit, voilà, vous êtes commerçant, vous souhaitez en savoir plus sur Too Good To Go, etc. Ils remplissent un formulaire. Donc, a priori, normalement, on se dit qu'ils sont intéressés par l'appli, mais comme dit Charline, parfois, ils se trompent ou ce n'est pas vraiment des commerçants ou alors ils n'ont pas vraiment compris, voilà. Exactement. Donc là, on peut vraiment dire que les leads, ça peut se traduire par nouvelles demandes, tout simplement. Voilà, demande entrante. Voilà, c'est ça, demande entrante. Mais après, à ce stade-là, on ne sait pas encore si c'est des commerces alimentaires ou pas, en fait. Très bien. Alors, on a pas mal de questions, mais j'aimerais quand même, parce qu'il y a pas mal, il y a peut-être des choses auxquelles tu vas répondre du coup, Sonia, mais j'aimerais bien aussi que tu nous fasses part de ta journée type. Et ensuite, on enchaînera sur des questionnements très intéressants de la part de nos jeunes. Yes, je vais faire assez rapide. Du coup, contrairement à Charline, nous, dans notre équipe, on fonctionne vraiment tous les matins. On a une petite réunion d'équipe pour, on appelle ça kick-off la journée. Donc, un peu démarrer la journée. Voilà, comme on disait, on aime beaucoup parler en franglais. Du coup, on fait le point sur différents potentiels sujets du jour ou de la semaine. Ensuite, on va faire une grosse partie de traitement de tickets. Donc, les tickets, c'est les demandes des utilisateurs. On appelle ça comme ça. Ça s'appelle les tickets. La pause aussi, très important. Et l'après-midi, elle est plutôt dédiée à différents projets. Donc, ça peut être vraiment beaucoup de choses, amélioration de nos process, donc de nos manières de travailler. On travaille aussi beaucoup avec l'international, donc avec les autres équipes des autres pays. Bref, plein de projets possibles et imaginables. Et en fin de journée, en général, on rebascule sur le traitement des tickets pour du coup gérer les demandes entrantes à ce moment-là. D'accord. Je vais avoir une question là, c'est moi qui me la pose, elle n'est pas arrivée dans le chat, mais parce que ça me semble potentiellement intéressant quand tu réponds aux gens, parce que pour expliquer du coup aux collégiens, aux collégiennes, moi je pense que vous l'avez compris, mais par exemple, je ne sais pas si vous, ça vous arrive dans votre quotidien d'utiliser des applications, je ne sais pas s'il y a un bug ou si vous avez une demande qui n'a pas été traitée, parfois vous écrivez ce qu'on appelle un support, donc du coup aux personnes qui gèrent l'application, donc ce qui est un peu le travail de Sonia en fait. Du coup, ma question, Sonia, c'est de savoir, est-ce que parfois, tu as des réponses types ou tu personnalises absolument toutes les réponses que tu fais aux gens par mail? Alors, effectivement, on a un gros dossier de réponses types parce qu'il y a des choses qui reviennent finalement assez souvent. Par contre, dans toutes ces réponses types, on essaie quand même d'adapter et de personnaliser au maximum notre réponse. Parce que bon, voilà, la réponse type, elle va nous servir de base. Et après, pour pouvoir ajouter d'autres choses en plus, quoi.
On va essayer de passer aux questions des jeunes, parce que sinon je vais perdre le fil, ça continue à écrire et je suis un peu dépassé. Alors, on a des questions qui sont liées à des notions de territoire, ouais, notamment X-Power, YT. Alors, c'est très gentil, je ne sais pas qui tu es, mais pourquoi pas. Est-ce que vous marchez, est-ce que la PIN fonctionne que dans des villes ou est-ce qu'elle fonctionne en campagne, par exemple? Non, elle fonctionne... Vas-y, Charline, c'est plus ton domaine. Vas-y, Charline, vas-y. Non, il n'y a pas de souci, je pense qu'on est tous capables de répondre de toute façon. Elle fonctionne vraiment partout. Même dans des petits villages, c'est vrai qu'au tout début, normal, on s'est lancé dans des grandes villes. Mais aujourd'hui, voilà, ça fait quand même bientôt 5 ans qu'on est lancé. Il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait et en fait, ça marche partout. Honnêtement, même dans les petits villages, même parfois, moi, j'ai le cas avec des commerçants qui m'appellent et qui me disent « Oui, mais vous savez, je suis dans un tout petit village, il n'y a pas grand monde. » Et en fait, les paniers partent tout le temps. Après, bon, on ne peut pas dire qu'ils partent à 100%. De toute façon, sur toute la France, ce n'est pas possible. Mais dans tous les cas, ça marchera toujours très bien. Donc, en fait, il y a beaucoup de demandes des utilisateurs. Donc, en fait, c'est ça, c'est un peu une chance qu'on a. C'est qu'on a beaucoup plus d'utilisateurs, finalement, que de propositions des commerçants. Donc, c'est pour ça que tous les jours, on travaille pour ajouter de plus en plus de commerces et donc de plus en plus de paniers. Mais oui, ça marche partout, même dans des stations de ski, par exemple. On peut témoigner qu'à Paris, parfois, c'est la lutte pour atteindre le panier que l'on souhaite. Autre question. Ça, mais même pas forcément qu'à Paris. Hein. C'est souvent le cas. Il faut, dès qu'on en voit un disponible, généralement, il faut le prendre. Sinon, c'est... Ouais, c'est ça. Autre petite question auxquelles je n'aurais pas pensé du tout, mais ouais. Ça nous vient aussi du collège Fontaine-Auberger. Très intéressant. Qui demande, est-ce que l'appli est interdite dans certains pays? Alors, elle n'est pas interdite, elle n'est simplement pas encore présente dans certains pays. Mais non, on ne s'est jamais vraiment retrouvé confronté à ça. Par contre, il y a un truc, effectivement, à chaque fois qu'on doit ouvrir, on appelle ça donc ouvrir un nouveau pays, les différences de lois donc entre la France et d'autres pays peuvent un petit peu différer. Donc c'est surtout là-dessus que notre équipe donc légale se focalise lors de l'ouverture d'un nouveau pays quoi. Si je peux juste rebondir sur l'aspect légal que Sonia a mentionné, en effet, en gros dans les paniers, les commerçants légalement ont le droit de mettre des produits qui sont encore consommables, mais je ne sais pas si vous savez ce que c'est la DDM, c'est la date de durabilité minimale. C'est quand il y a écrit sur les produits à consommer de préférence avant. En fait, ça veut dire que le produit est toujours consommable après, que c'est juste qu'il a peut-être perdu un petit peu de sa saveur ou voilà. Par exemple, sur des biscuits ou des choses comme ça. Et la loi en France dit qu'on a le droit de vendre des produits dont la DDM est dépassée de 3 mois, jusqu'à 3 mois. Voilà. Donc ça, c'est des petites spécificités légales qui peuvent, j'imagine, varier d'un pays à l'autre. Lorsque les commerçants ont le droit de mettre dans les paniers. Qu'il ne faut pas qu'ils mettent des choses toutes pourries ou impossibles à la consommation, quoi. D'accord. Alors, on a eu 2 fois la question, une fois par Myriam. Il y a pas mal de jeunes qui se demandent du coup des exemples de commerçants qui travaillent avec vous. Donc peut-être type de structure déjà et quelques exemples du coup de commerçants avec qui vous pouvez collaborer. Super, bah, je pense que je vais prendre le lead. Du coup, merci beaucoup Myriam pour cette question. Alors bon, on peut parler des grandes chaînes déjà tout simplement. Même si c'est moi, je ne travaille pas personnellement avec eux, mais bon, c'est des partenaires assez importants. Donc, on a par exemple tout ce qui est Leclerc, Auchan, Casino, enfin voilà, toutes ces chaînes de supermarchés. On essaye de travailler au maximum avec eux parce que c'est vrai qu'il y a une grosse partie du gaspillage aussi qui se fait chez eux. Donc, en fait, voilà, on essaye de venir compléter ce qu'ils font déjà par exemple par des promotions ou des dons en association. Et après, on va travailler avec des chaînes, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Kaiser. C'est une chaîne de boulangerie, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et voilà, après, on essaye de débloquer, on va dire, des nouvelles chaînes, comme en ce moment, on essaye de travailler avec Lidl, mais on travaille aussi, par exemple, avec Leroy Merlin, parce que Leroy Merlin, ils ont aussi des plantes et on travaille un petit peu avec les plantes. Mais par exemple, même Decathlon, on commence à travailler aussi avec eux parce que, bah, voilà, ils ont quand même des petits snacking, des choses comme ça. Donc, c'est périssable. Donc, voilà, on peut être là pour sauver tout ça. Donc, en fait, on peut se dire que partout où il peut y avoir potentiellement du gaspillage alimentaire,
et ben en fait nous on peut travailler avec eux. Mais, tout simplement. Mais du coup là-dessus, donc là tu as parlé, en fait les exemples que tu as donné c'est quand même principalement des enseignes, des grandes enseignes, des petites enseignes, des magasins. Mais du coup c'est vrai qu'il y a des jeunes qui se sont demandé, alors c'est une double question, déjà s'il y a des restaurants premièrement, et deuxièmement si justement en période de Covid, dans notre période actuelle, il y avait encore plus d'utilisateurs et de commerçants qui utilisaient l'app. Alors, déjà, oui, il y a des restaurants qui travaillent avec nous. Après, c'est vrai que ce n'est pas forcément ceux qui ont le plus de gaspillage alimentaire. Oui. Étant donné que, bah, voilà, souvent, c'est, ils arrivent à prévoir quand même le nombre approximatif. Hein, de toute façon, c'est toujours approximatif, mais de plats à préparer. Après, ça peut être des plats aussi qu'ils peuvent reproposer parfois le lendemain. Donc, finalement, ils arrivent à tourner comme ça les plats et à avoir très peu d'invendus. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc finalement, de notre côté, en tout cas, ça n'a pas impacté au niveau des restaurateurs le Covid. Après, c'était quoi la question, savoir si ça avait changé par rapport au Covid, c'est ça? Oui, s'il y avait du coup plus d'utilisateurs en cette période-là. Alors là, j'avoue, par contre, j'ai pas les chiffres. Je ne sais pas, les filles, si vous avez des chiffres par rapport à ça. Alors, j'ai pas de chiffres, mais j'ai des demandes, moi, qui me viennent. Effectivement, on a... Enfin, C'est un ressenti, donc ce n'est pas un chiffre concret, mais effectivement, il y a quand même plus d'utilisateurs qui nous demandent « ouais, j'arrive pas à avoir de panier ». Donc, potentiellement, effectivement, la demande est un petit peu grandissante. Malheureusement, je pense effectivement que c'est dû peut-être à la précarité de certaines personnes qui, du coup, sont très impactées par cette période assez particulière, quoi. Alors, il nous reste 9 minutes et on n'a toujours pas abordé la question du parcours. Je vous avais dit qu'en fait, il y avait des questions et qu'on avait parfois du mal à tenir le tempo. On peut peut-être passer très rapidement sur vos rêves d'enfant à toutes les deux, puis après enchaîner sur le parcours, parce que c'est des notions importantes pour les jeunes qui nous écoutent. Et si on a le temps, on finira sur les clichés, on va tenter de faire un sprint sur la fin. Pas de souci. Du coup, effectivement, là, mon rêve d'enfant, moi, au tout départ, j'aurais bien voulu être architecte d'intérieur. Parce que voilà, ça me plaisait. À l'époque, il y avait l'émission M6 Déco, quelque chose comme ça, je crois. Donc, du coup, j'étais hyper fan quand j'étais petite. Bon, après, j'ai eu d'autres rêves. Hein. Je voulais être archéologue. Enfin, voilà, il y a eu plein de rêves. Et finalement, j'ai fini. Enfin, pour le moment, en tout cas, je suis à Too Good To Go. Et j'aurais jamais imaginé ça, forcément. Mais je pense que la vie, c'est un parcours, en fait. C'est difficile, je pense, de savoir ce qu'on veut très tôt et d'être sûr d'y arriver. Je pense que c'est même assez rare. Et ce qui arrive, vraiment chapeau, parce que finalement, en grandissant, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont un peu plus compliquées que prévu. mais au final, ça fait un beau parcours et ça fait plein d'expériences. Et au final, c'est très chouette. Voilà. Si ce sont vos locaux qui sont en photo, ils sont assez sympas. Hein. C'est plutôt joli, ouais. Ouais, ça, c'était, je crois que c'était au retour du confinement, je crois. On était contents de se retrouver. Et du coup, moi, un rêve d'enfant assez différent, c'est que j'ai toujours voulu être, enfin toujours, pendant très longtemps, j'ai voulu être pilote d'avion. Bon, déjà, je me suis rendu compte que les études qu'on me demandait, c'était pas trop fait pour moi. Et en plus, je me suis surtout rendu compte à ce moment-là que c'était... écologiquement parlant, c'était pas forcément la meilleure des options. Et c'est un peu finalement grâce à ça que je me suis un peu plus intéressée à l'écologie d'une manière générale, et du coup au gaspillage alimentaire aussi, et que je me suis retrouvée donc chez Too Good To Go avec mon équipe directe que vous voyez en photo. Ce qui en plus répond, on fait d'une pierre deux coups, à la question de Théo qui est arrivé un peu avant, qui demandait: est-ce que ce métier, vous le faites par passion? Exactement. Ou pour lutter contre le gaspillage? J'ai envie de dire les deux. Ouais. Les deux, ouais, vraiment les deux. Et ça, c'est quelque chose de très, très présent chez tous les employés de Too Good To Go. C'est vraiment cette volonté de finalement de se lever le matin et de changer le monde. Ça peut paraître un peu cliché, un peu film américain, mais c'est vraiment ce qui nous anime tous au quotidien, c'est de se dire, en fait, on se lève et on fait quelque chose qui fait que ça change, quoi, et on fait du monde quelque chose de mieux, quoi. Et alors, comment est-ce qu'on devient un défenseur, un acteur du monde meilleur de demain via Too Good To Go? Quel parcours vous amenez ici, finalement? Du coup, moi, je vais commencer. J'ai un parcours qui n'a rien à voir, qui est très éloigné au tout départ, comme je disais.
Moi, au début, j'ai commencé par faire un bac art appliqué. Alors bon, je ne sais pas trop si ça existe encore aujourd'hui, mais enfin voilà, vous voyez l'idée. En gros, c'était tout ce qui était lié justement à l'art, au design, etc. Après, je me suis dirigée vers une licence d'histoire de l'art et d'archéologie. Comme je disais tout à l'heure, l'archéologie, ça m'intéressait. Puis même l'histoire de l'art, voilà, c'est quelque chose de très, très intéressant, mais c'est très, très difficile. Du coup, j'ai arrêté, je me suis dirigée vers un BTS tourisme. Un petit peu différent, encore une fois, mais je m'étais dit qu'avec le tourisme et mes connaissances en histoire de l'art, je pourrais peut-être être guide et du coup, bah, allier les deux choses finalement qui m'intéressent. Et finalement, quand je suis arrivée sur Paris, parce que ça fait pas très longtemps que je suis ici, je me suis dit que je voulais vraiment avoir un boulot qui avait un impact. Comme disait tout à l'heure en fait Sonia, et j'avais vraiment envie de me dire, ok, le matin je me lève et en fait je sers vraiment à quelque chose et bah, ça fait bouger les choses, enfin voilà, notre quotidien à tout le monde. Et finalement bah, j'ai vu cette proposition d'annonce et je me suis dit, bon bah finalement qui tente rien n'a rien. Et puis bah voilà, j'ai essayé et finalement je pense que ce qui a bien convaincu, c'était justement ma motivation à dire, bah voilà, moi je veux apprendre, je veux être là pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et je vais avoir un impact. Donc, finalement, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'étude type pour en arriver jusque-là. Le plus important, c'est d'être motivé. Beau message. Effectivement. Très beau message. Alors, attends, Pardon. Mais du coup, j'allais rebondir sur ce que tu disais, Charline. Effectivement, il n'y a pas d'études type. Et du coup, moi, j'en suis l'exemple parfait aussi, puisque je me suis dirigée vers un bac plutôt économique. Bon, c'est ce dans quoi j'étais pas trop mauvaise, donc c'est pour ça que je me suis dirigée là-dedans, hein, soyons clairs, soyons francs. J'ai continué du coup sur une licence et un master donc en marketing. En parallèle, avec la superbe photo que vous voyez à l'écran, c'est moi qui ai travaillé donc à Space Mountain. Incroyable. À Disneyland. Donc quelque part, j'avais encore ce petit truc de pilote qui devait me trotter dans la tête. Et effectivement, mais une fois que j'avais fini mon master, je me suis, comme Charline dit, que je voulais quand même faire quelque chose qui avait un impact sur le monde. Et j'ai vu l'offre de Too Good To Go et je me suis dit, c'est pour moi, c'est on y va. Merci à tous les deux. Je crois que vous aviez encore deux questions à poser à nos participants. Tout à fait. Bon, ce serait dommage de ne pas les poser. Ce serait tout à fait dommage. Allons-y, cher team modération. Je sais que vous êtes sur les rangs parce que les questions pleuvent et que les jeunes ont peur qu'on ne puisse pas y répondre. Donc ne vous inquiétez pas si on n'a pas répondu à toutes les questions. On les reprendra aussi avec Charlotte. Et puis, c'est le but. Je vous promets, on enverra des mails à nos intervenants pour voir s'ils peuvent nous apporter quelques éléments complémentaires. Ouais. Est-ce qu'on peut lancer le quiz, cher team modé? Et laquelle de vous deux se lance pour prêter sa voix à la question? Je vais y aller. Allez, j'y vais. Vas-y. Vous avez bien suivi. Dans les paniers Too Good To Go, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Des cosmétiques, des produits alimentaires, de la nourriture pour animaux. Donc, est-ce qu'on joue aussi contre le gaspillage alimentaire pour les animaux? Ouais, nos jeunes ont l'air d'avoir été très attentifs. On a donc un taux de 99% de réponse pour les produits alimentaires. Donc oui, ouais. Oui. Ah, ça rebaisse un petit peu, 97%. Bon, une large majorité écrasante pour les produits alimentaires. Donc... Vous avez bien mais on a le question, sujet. Je dis ça parce qu'on a la question hein, assez. Ça arrive en tout cas pour les produits d'animaux, les croquettes, etc., les pâtés. Est-ce qu'on peut aussi les proposer dans nos paniers? Et la réponse est non, parce que nous, notre attention, elle se porte sur le gaspillage alimentaire. Vraiment, on ne peut pas être partout et nous, c'est notre mission, donc ça restera ça. Ensuite, deuxième question. Alors, Too Good To Go, c'est une entreprise ou une association? Je vous pose la question parce qu'on a un but. Notre mission, elle est assez vertueuse. Elle œuvre pour un monde plus écologiquement parlant et socialement parlant plus meilleur. Donc, est-ce qu'on est une entreprise ou une association? Team Modé, c'est à vous de lancer le chat. Dans le chat, pardon, le quiz.
C'est pas une question simple. Hein. On joue sur les, on joue sur les préconceptions. Ça. C'est intéressant. À savoir que durant la semaine, on a eu un atelier sur les différents types d'organisations dans lesquelles on peut travailler, asso, fonction publique, entreprise privée, etc. Mais c'est vrai que poser la question. Exactement. Mais là, au moins, c'est une mise en application de ce qu'on vous a appris tout au long de la semaine. On est sur du 50-50. C'est compliqué, hein, ça monte, 50, ça descend, 50. Ça monte, ça descend. Intéressant. Ouais, là on a moins de ça majorité, semble se stabiliser. Ouais. Ah mais ça passe son temps, ça va passer d'un côté à l'autre. 50-50 là. Alors là, pile poil. J'ai l'impression que ça bouge plus. Ah, ça bouge. Ça s'en va et ça vient. Je sais pas s'ils connaissent ça, Laurent. Hein, cette non, chanson. Je sais, mais c'est venu comme ça. D'ailleurs, pour info, Jamy, ils connaissent. Hein. J'ai eu des super messages dans le chat sur Jamy et on a des fans. Donc, quelqu'un se rappelle du générique tu sais, quand on rentre au camion, enfin. Je m'en rappelle plus. Bon, on va arrêter, je pense, le vote à ce moment-là. Ouais. On est à 52% pour une entreprise et donc 48% pour une asso. Roulement de tambour. Ouais. C'est un peu serré, hein, finalement, mais non, on est bien une entreprise en fait, parce qu'on dégage des bénéfices, on a un business model. Mais en fait, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on est un peu une entreprise nouvelle génération, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus, où notre mission, elle est vraiment. Il y a vraiment un but vertueux, quoi, c'est d'œuvrer pour une société meilleure, et pourtant, on est une entreprise. Donc en fait, vous voyez, c'est pas incompatible. C'est pas incompatible d'être là-dedans. Et on espère que voilà, c'est ce que les entreprises deviendront toutes à un moment donné. Mais non, on est bien une entreprise. Voilà. Donc, c'est possible d'allier les deux, vous voyez. Ben c'est super. On va conclure juste. Je tenais à vous dire quelque chose à toutes les trois. On a eu énormément de commentaires positifs sur aussi le concept, en fait, de Too Good To Go, donc pour ne pas les citer, on a eu vraiment beaucoup de jeunes comme Adonis, Gaston, Myriam, Damien, Amir qui voilà, font l'éloge du concept, et il y a même quelqu'un qui s'est demandé s'il y avait vraiment un inconvénient à cet échange vertueux entre consommateurs et grandes surfaces ou magasins de d'alimentation. Voilà. Moi, juste pour conclure rapidement sur notre côté, avant de vous remercier très sincèrement d'avoir donné du temps comme vous l'avez fait, c'est juste pour dire aux jeunes et aux enseignants qui nous écoutent, on a été très rapide, on n'a pas pu tout voir, mais les supports sont disponibles sur la plateforme, vous pouvez les télécharger si vous voulez y avoir accès. Exactement. Le live sera enregistré, donc vous y aurez aussi également accès rapidement dès qu'on le pourra. Et on s'engage, nous, à essayer de trouver les réponses aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Donc voilà, on est désolé pour le fait de s'être fait un peu déborder par le temps, mais bon, on le savait. Le principal y est, et nous, en effet, on va compléter, donc restez bien avec nous. Dans la dernière demi-heure qui suit, nous allons compléter avec Laurent et revenir sur pas mal de choses qui ont été dites depuis ce matin. Donc ça va être le moment de vous laisser, du coup, Charline, Sonia et Juliette, et de vous remercier infiniment. Tous nos jeunes aussi vous remercient. Donc merci, et puis on vous dit à la prochaine. Et puis on espère vous revoir dans d'autres live métiers pour parler de vos beaux métiers, de vos belles professions. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, c'était chouette. Au revoir. Merci. Bonne fin de matinée à toutes. Salut. Au revoir tout le monde. À bientôt. À bientôt.